Good evening, gentlemen. It's exactly 8 p.m. on our studio clock, and it's News Hour on Spectrum Television. Stop on our news stories tonight, April 10, 2024. Muslim faithfuls all across the globe have come out today to celebrate the feast of the Ramadan after observing 30 days of prayers and fasting. Our newsroom shall take you across the Islamic complex of Chinga in Yaoundé and the Bonanjo Central Mosque and Kambeto here in the economic capital city, Douala, to witness how the prayers and intercessions went down today in these prayer grounds. Plus, the former Ivorian minister and resident of the International Court of Justice, Charles Blegoude, has given a press conference in Yaoundé, and he will be our guest on tonight's newscast. Also in this newscast, we now talk sport. The under-17 Lions have been booted out of the Easter Cup ongoing at the Reunification Annex Stadium. The boys of Jean-Pierre Fiala Fiala failed to win one of the three games. This story is in full, and much more will be yours right ahead. Thanks for joining in, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Balingua Primetime newscast on your TV, Spectrum Television, and we'll kickstart right away. And it's in French, and it's with Makeda Lidinyotom. Bonsoir, Makeda. Bonsoir Christelle Asexuelle, mesdames, messieurs, bonsoir. Religion pour ouvrir ce journal. Après 29 jours de jeûne, la communauté musulmane célèbre ce jour la fête du Ramadan au complexe islamique de Tinga à Yaoundé. Autorités et fidèles se sont réunis ce matin pour intercéder auprès d'Allah en faveur du Cameroun pour qu'il y ait la paix et l'harmonie. C'était au tour de l'imam Bouba Goy Goy. Le compte rendu de la prière, c'est avec vous, Olivier Bouziqueux. Complexe islamique de Tinga en ce jour de Ramadan. En présence des autorités, plusieurs centaines de fidèles musulmans communient avec Allah sous la conduite de l'imam Bouba Goy Goy. Cette prière marque la fin du jeûne du mois de Ramadan qui constitue l'un des cinq piliers de l'islam. Le Ramadan est considéré comme le mois de la charité. Lorsqu'il s'achève, le fidèle doit s'acquitter d'une aumône. Aujourd'hui, c'est un grand jour de fête. Donc, nous tenons d'abord à témoigner notre reconnaissance à Allah Tout-Puissant. Pour nous avoir permis d'arriver à ce grand jour, jour de fête. Le serment du guide appelle à l'union, à l'amour du prochain. L'imam a prêché pour la paix, pour la stabilité, pour la cohésion, l'harmonie, pour la cohésion sociale et pour vraiment la stabilité de ce pays. Et là, beaucoup prié aussi pour nos dirigeants, pour que vraiment la sagesse continue à les guider. La suite du programme prévoit des réjouissances entre familles et invités. And still in the celebrations of the feast of the Ramadan, we now take you over to Douala, precisely in Bonanjo, where the Muslims have prayed in the central mosque to mark the end of the fasting month, and this in the presence of the governor of the Littoral region. Details with Onila Donet. Muslim faithfuls have gathered at the Bonanjo Central Mosque to express their gratitude to Allah for a successful month of fasting and spiritual reconnection. Satisfaction et de gratitude à l'endroit du Très-Haut, Allah subhanahu wa ta'ala. We have a feeling of gratitude, satisfaction to the Most High Allah. He showed us a sign. He accepted our adoration and supplication. And we are confident that he wants the best for us and our country. And his government will forever be exalted. As the year progresses, believers are called upon to embrace the practice of love and acceptance that were cultivated during the holy month. My message to Muslims is to continue the practice of all we've learned during the Ramadan month. Do not exaggerate. Love one another. Live with others. Accept differences. Share with others and be a sincere Muslim towards oneself and others.
envers lui, envers les autres. These celebrations have witnessed the presence of government officials and traditional rulers. The president of the Council of Traditional Chiefs in the Littoral and Southwest regions urges faithfuls across the globe to emulate the life of Prophet Muhammad. Le sermon d'aujourd'hui, c'est vraiment pour ramener vraiment la paix et la stabilité dans. The sermon today is a message of peace and to bring stability in our respective countries, especially Cameroon, like the example Prophet Muhammad, the example to follow. If we can follow all his works, what he stood for, we will live in peace, security, stability, mutual love. En sécurité et vraiment dans la stabilité, en amour mutuel aussi. To Muslims, rain holds a special place as a symbol of blessings and divine approval. On this day of Ramadan commemoration, the heavens opened up and the downpour couldn't have been more fitting. Celebrate today the end of Ramadan. This end of Ramadan is exceptional because all of you have seen that you have rain, and the rain with the benediction in all our celebration. So we want to use this opportunity to thank first of all the Almighty Allah God to give us the opportunity to attend this celebration, and secondly, I want to use this opportunity to wish to the whole Cameroonian Barka Nasalla, and to the Muslim community in particular Barka Nasalla too. One word, peace, living together and each other. These Ramadan celebrations transcend mere rituals. It is a symphony of heart-seeking solace, forgiveness and renewal. Et après Bonanjo, rendons-nous cette fois au lieu-dit Camberto, toujours ici à Douala. Là-bas, l'imam a appelé les fidèles à s'aimer les uns et les autres et aussi à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Le compte rendu d'Orient Donkeng et de Nuno Futui. Après 29 jours de jeûne et de pénitence, la communauté musulmane célèbre ce 10 avril l'Aïd el-Fitr, la fête marquant la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Au Camberto, ici à Douala, c'est vêtu de beaux boubous et robes qu'ils sont venus par milliers suivre la prédication du jour. Et la pluie qui a arrosé la capitale économique n'a pas entamé leur ferveur. C'est une pluie qui s'est abattue sur nous. N'est pas une punition, ni une épreuve. Mais par contre, c'est une bénédiction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il nous accorde bien cette bénédiction et que cela nous atteigne ainsi que jusque dans nos familles. L'amour est-ce qu'il faut retenir du sermon de l'imam? Le message phare de cette célébration n'est rien d'autre que exhorter le peuple musulman et le peuple citoyen de la terre à vivre en symbiose, être amoureux les uns les autres et afin de cultiver la cohésion sociale au point d'arriver à un niveau où nul ne sera rejeté de la société. Être musulman ne fait pas de la personne un être à part, appartenant à une société et étant à la veille d'une année électorale, le bon pratiquant doit être un bon citoyen et faire son devoir civique. L'islam est une religion structurée qui voudrait que les citoyens respectent la constitution de la République. Alors, nous sommes dans un pays qui a une législation qui gouverne. S'il faille que cela soit fait, le musulman ne sera pas en partie. Le musulman doit être celui-là qui devait être le premier à se faire inscrire sur la liste électorale. Parce que vous savez, en islam, les révoltes sont rejetées. Hein. L'islam n'encourage pas les marches de revendication. L'islam est une religion qui vit selon un test pré-tracé par le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous allons nous joindre aux recommandations qui nous viennent de la constitution de notre pays. La prière achevée de même que la pluie, place aux réjouissances en famille. Après la religion, on parle politique à présent.
Le printemps de la jeunesse africaine est là. Charles Blé Goudé s'est exprimé ainsi ce matin à Douala, où il poursuit sa visite de travail en terre camerounaise. C'est son premier déplacement depuis son acquittement par la Cour pénale internationale en 2021 et son retour en Côte d'Ivoire en novembre 2022. Dans la cité économique, l'ex-ministre ivoirien de la jeunesse sous la présidence de Laurent Gbagbo s'est notamment rendu à la Fondation Afrique Avenir, comme on peut le voir sur ces images. C'est situé dans le 4e arrondissement de Douala à Bonaberry. Là-bas, il a visité la bibliothèque tchèque Anta Diop. Et après cette étape, ce matin, Charles Blé Goudé était face à la presse cet après-midi dans le cadre d'une conférence grand public. Nous vous proposons de l'écouter au micro de Nono Fautué en posture d'invité du journal. Il revient notamment sur les conditions de son arrestation en Côte d'Ivoire et de son transfèrement à la CPI le 22 mars 2014. Je sois arrêté à 6h du matin du 17 janvier 2013, sans même qu'on m'ait présenté à un avocat, menotté dans un coffre de voiture, m'a conduit en Côte d'Ivoire, à la direction de la surveillance du territoire, DST, dans une détention en isolement, où j'ai fait 14 mois. Chaque fois qu'on devait me sortir de là pour me présenter à la justice, j'étais encagoulé pour ne pas savoir où j'étais. Mais je savais que j'étais à la DST. Parce que j'avais déjà fait 7 tours à la DST. J'avais déjà été arrêté 7 fois à la DST. Tant que leader étudiant. Donc je connaissais le parfum de la DST. Mais je faisais croire à mes geôliers que je ne savais pas où j'étais. Moi, il savait où j'étais. Bref, après 14 mois, une nuit, on m'a encagoulé. La voiture a roulé. Je me suis dit, peut-être qu'on me déplaçait d'Abidjan à Boaké, parce que c'était la mode à l'époque, ou à Korogo, ou à Katiola. C'est le nord de la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Voilà, pour que je puisse vous situer. Mais après, quand la voiture est entrée dans une autre roue, je me suis rendu compte qu'on revenait à nouveau à la DST. Parce que j'écoutais les bruits des pneus. J'ai vu que les pneus roulaient sur des cailloux. J'entendais les bruits. J'ai dit bon, je n'ai rien dit, mais j'ai dit bon, c'est qu'on est revenu à la DST. Et quand ils m'ont mis dans un bureau, quand j'ai senti le parfum, j'étais maintenant convaincu qu'on était à la DST. Et le matin, les policiers ont commencé à discuter entre eux. Il y a un qui dit, mais on lui enlève la cagoule. Est-ce que c'est encore utile qu'il ait la cagoule? Il faut que j'analyse ça. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qu'on a encagoulé pendant 14 mois, on dit, mais là, est-ce que c'est utile qu'on lui enlève la cagoule ou qu'on lui mette la cagoule? Peut-être qu'ils vont te tuer. Ou alors, tu es positif, ah, peut-être qu'ils vont me libérer aujourd'hui. Quand on m'a mis dans la cour de la DST, qu'on m'a enlevé la cagoule, j'ai vu tout un cortège qui était là. Des centaines de policiers et de militaires qui étaient là. Moi, j'étais menotté. Et puis, on roule. La voiture rentre dans un garage, dans un parking, j'allais dire. Quand on ouvre la porte, me voici face au procureur de la République. Bon, j'avais soif, j'ai pas bu toute la nuit. J'ai dit, monsieur le procureur, est-ce que je peux boire un peu d'eau? Il était nerveux. Ah non, 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 vous ne buvez pas ici. Il dit, ok, pardon. Regardez ton nom. Et puis, il me dit, ah, on a commis une avocate pour vous. Je vous dis, la dame qui est venue s'asseoir à côté de moi, ça, Dieu n'a pas envoyé quelqu'un pour la fabriquer, c'est lui-même. Belle femme. Le parfum à 5 mètres, même, ça te frappe le nez. Elle s'est assise à côté de moi. Elle a dit, monsieur Blé, je suis votre avocate. Alors, avec une sérénité légendaire, j'ai dit, mais madame, moi je n'ai rien contre vous, mais vous ne pouvez pas être mon avocat. Vous le savez très bien. Vous ne connaissez pas ce dossier. J'ai un collectif d'avocats composé de 10 avocats. Ils sont où? C'est en ce moment que la bouche du procureur va glisser. Ah, selon le statut de Rome. J'ai dit, mais comment? On est à Abidjan. Rome vient chercher quoi ici?
Mais pourquoi le statut de Rome, sur le procureur, il n'a rien dit? Et en même temps, un de mes avocats est entré. Il dit, monsieur le procureur, vous vous apprêtez à faire un exercice illégal. Vous ne pouvez pas interroger notre client en notre absence. Il dit, mais vous avez dit que vous ne venez pas. Donc, je lui demande 2 minutes. Est-ce que je peux m'entretenir avec mon avocat? Il accepte, mais il dit 1 minute. Donc, on se met de côté. J'ai dit à l'avocat, mais moi, il y a une phrase que ce monsieur a prononcée, je ne comprends pas. C'est quoi cette histoire de statut de Rome? Il dit, ah, tu n'es pas au courant. Je dis, non, au courant de quoi? Là-bas, je suis coupé du tout à la DST. Je suis isolé. Il dit, hier, le gouvernement de Côte d'Ivoire s'est réuni et a décidé de ton transfert à la CPI. Donc, nous, on ne veut pas. Il dit, viens. Où sont les autres? Il dit, ils sont dehors. Il dit, fais-les venir. Là, vous me laissez parler. Je dis, monsieur le procureur, donc, je vais à la CPI. Il dit, oui, mais vous pouvez contester. Il dit, non, moi, je vous demande, est-ce que vous avez décidé que je vais à la CPI? Il dit, non, la chambre d'accusation va siéger. Donc, on va me transférer de Cocody au plateau, à Côte d'Ivoire, à Abidjan, où j'ai vu des gens en robe. Vous voyez tout le cinéma. C'était dans leur robe. Ça défilait, puis se sont assis. La chambre a donc siégé. Mais le public auquel il y a eu droit, c'était les militaires. La salle était pleine de militaires. Tous les civils ont été chassés. Ils ont pris la parole. Et le juge me demande, monsieur Blé, on a décidé de vous amener à La Haye. Mais est-ce que vous voulez être jugé à Abidjan ou bien à La Haye? Vous avez un mot à dire? Il dit, bien sûr, mais j'ai plutôt une question à poser. Madame le juge, depuis quand un détenu décide du lieu où on va le juger? La loi dit quoi? Elle dit, on a décidé de vous amener à La Haye. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Il dit, oui, j'ai une question à poser. L'avion décolle à quelle heure? Vous savez, il est des moments où il faut garder sa dignité. C'est très important. Il est des moments où il faut garder sa dignité. Ne pas fléchir face à l'adversaire. On me dit l'avion décolle demain. Il dit ok, donc allons-y. Voilà comment le 22 mars 2014, on m'amène à l'aéroport Félix Foudboigny d'Abidjan, où était garé, stationné un avion belge spécialement affrété pour moi, sans passeport, sans visa. Dans le monde entier, je peux me targuer de ça. Je suis le seul Africain qui est parti, en tout cas ces années dernières là, en Europe, sans visa, sans passeport. Mais un jet privé, s'il vous plaît, occasionnel. Je sois arrêté à 6h du matin du 17 janvier 2013. Sans même qu'on m'ait présenté à un avocat, menotté dans un coffre de voiture, m'a conduit en Côte d'Ivoire. And away from our local stories, we now take on our international stories. The Republican president frontrunner, Donald Trump, has faced multiple criminal charges in a hush money payment case in New York City. After several attempts by his lawyers to delay the trial, it has been scheduled for April 2024. More of the story with our international partners, The Voice of America. Donald Trump is forced to leave the presidential campaign trail and take a seat in the courtroom yet again. The former president faces criminal charges related to a $130,000 payment from his attorney Michael Cohen to a former porn star Stormy Daniels shortly before the 2016 election. The prosecutors argue the payment was made to silence her about an alleged sexual encounter with Trump, who was married at the time. He is accused of falsely categorizing these payments as legal expenses in his financial reports. Under New York State law, it is a felony to falsify business records with intent to defraud and an intent to conceal another crime. That is exactly what this case is about. 34 false statements made to cover up other crimes. These are felony crimes in New York State,
no matter who you are. Trump has pleaded not guilty to all charges and claims this is a politically motivated case. It's a shame. It's a shame what's happening to our country. This is election interference. They are doing things that have never been done in this country before. Trump's return to the courtroom has stirred fresh debate among New Yorkers, with opinions sharply divided on the upcoming trial. President Trump is a citizen just like everyone else, or a resident just like everyone else in the United States. He's subject to the same laws and responsibilities as we all are. Actually, nobody else would have been charged. It's only Trump that's getting charged for something that never happened. Former New York City prosecutor Bernarda Villalona says Trump faces 34 counts of falsifying business records. He faces a maximum of 4 years in jail per count. But also, there's no mandatory minimums. Will he go to jail here in New York State? I highly doubt it, that even with going to trial, that a judge will sentence him to jail. New York University law professor Richard Bildis says this trial is historic. It's certainly unprecedented in American history for a former president to be criminally prosecuted. There have been prosecutions, successful criminal prosecutions, in some countries of former prime ministers. So it's not unprecedented in a kind of a global perspective, but certainly in the United States, we've never been in a situation like this before. As the former president mounts his defense against these charges, observers watch and await the outcome. Aaron Rainin, VOA News, New York City. Sur le plan africain, au Togo, les législatives auront lieu le 29 avril. En Éthiopie, un opposant retrouvé mort quelques heures seulement après son arrestation. Et puis au Sénégal, reprise de la liaison maritime Dakar-Casamance. Le résumé de l'actualité africaine de ce jour, c'est avec la Voix de l'Amérique. Le Togo a reprogrammé la tenue des élections législatives au 29 avril après leur report dans le contexte de l'adoption d'une nouvelle constitution fin mars. Les manifestations prévues jeudi, vendredi et samedi à Lomé par des partis d'opposition et un groupe de la société civile pour protester contre la nouvelle révision constitutionnelle sont interdites selon le gouvernement. En Éthiopie, l'opposant Baté Urgesa a été retrouvé mort mercredi matin, tué par balle, quelques heures après avoir été arrêté par des forces gouvernementales à Meki dans le centre, a annoncé son parti le Front de Libération Oromo. Au Sénégal, la liaison maritime entre Dakar et le sud de la Casamance a repris après des mois d'arrêt durement ressentis par la population. La mesure avait été prise en juin 2023 dans un contexte d'agitation après la condamnation de l'opposant politique d'alors, Ousmane Sonko. La police sud-africaine a annoncé avoir procédé à l'arrestation de 6 suspects une semaine après le meurtre du footballeur Luc Fleur, qui évoluait au CAS de Chief de Johannesburg. Le défenseur central de 24 ans avait été tué alors qu'il faisait le plein de sa voiture dans une station-service. We now talk sports football in this newscast. The under-17 Lions have been booted out of the Easter Cup ongoing at the Reunification Annex Stadium. The boys of Jean-Pierre Fiala Fiala have failed to win one of the three games. Onila Donet with details. The under-17 Lions of Cameroon have been shown the exit door at the 9th edition of the Easter Cup Patricia Betulo, ongoing in Cameroon's economic capital, Douala. In three games, the boys of Jean-Pierre Fiala Fiala managed 1 point thanks to their 0-0 draw in match day 3 against Cotonou of Garoua. The team started this tournament on a wrong foot, losing to EFBC by heavy scoreline of 5-2. Against Union Sportive of Abombang, the boys could not find the net and had to wait for the last game to acquire a consolation. A draw and a point are all they could salvage against a wasteful Cotonou. This is a disappointing outing for some players. I've been trying to. This is our first encounter. This is our first tournament for under 17. But we're playing a tournament for under 18. So we're doing our best to. We're doing our best to catch up. But I know with time we'll play more. It's not a shame of us because we could not perform. We came very well, but at the field of play, we could not play due to the red cards that we gave us in the first game and the second game. It demoralized our players, so that leads us to our morale wins. There are no way to lose our morale because of those red cards.
head coach Jean-Pierre Fiala-Fiala, told us off camera that the competition is a proper evaluation test for his group, who are preparing for the UNIFAC Under 17 tournament in Gabon come November. In other games, 2023 finalist Bet Stars of Limbe have also been booted out in the group stages of the competition, managing just 1 point from one draw and two defeats. We are the part for this competition for about 9 years, maybe 9 editions, and the last year we played the final against the Brazzaris. Today we are going out for the first round. I think everything is to believe and keep working. Go back and work more hard, and so I can come next year and do more better. It's a bad year for us, and we are coming next year with more ambition of winning the tournament. Newcomers Anafoot finished their first showing at the Easter Cup in the group phase with 3 points. A 0-2 defeat to resilient Aigle in the last day meant the team's points were insufficient to see them move to the next round. It was not an easy one. I think we have come and experienced the competition. The competition is a tough competition. We have tried. We have done what we can do. We have did what we can do. So I think now we are going back to try to take account of all what has happened and think of what we can do for next edition. Aigle, on her part, is the lone team to have won all three games. Making a first appearance, the Menwa team beat the likes of Anafoot, Colom, and Bestas to emerge top of the group. AFBC, Aigle, Colom, Union Sportive of Abombang are the semi-finalists in this year's Easter Cup, with Coton Sport, Anafoot, Bestas and the Under 17 Lions to play the classification game. And that's the package we put together for you on tonight's edition of the Bilingual Newscast on your TV, STV. Thanks for watching. Enjoy the rest of your evening in company of interesting programs on Spectrum Television. Good night. Good night, Makeda Lidinyoto. Au revoir, Christelle Assek, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Au revoir.